Good morning, Aleiden. Nous étudions aujourd'hui Masechet Tanit Perek Dalet Mishnah Zayin. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liyot Betocha. Asur Melesaper Melechabes Uvachamishim Mutarin Mipnei Kvod HaShabbat. Erev Tisha B'Av Lo Yochal Adam Shnei Tavshilin Lo Yochal Basar Velo Yishteh Yain. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer Yeshane Rabbi Yehuda Mechayev B'Kfiyat Amita Velo Odulo Chachamim. On a évoqué dans la Mishnah précédente les lois de Tisha B'Av. On a évoqué, surtout, pas des lois de Tisha B'Av, on a évoqué d'abord les 5 événements du 17 Tammuz et les 5 événements de Tisha B'Av, et du coup, on va apprendre dans notre Mishnah les halakhot de Tisha B'Av, qui se trouvent dans notre Gemara, en fait, ça se trouve ici dans tous les détails, en Masechet Tanit, en parallèle avec la Mishnah. Et la Mishnah nous enseigne Shabbat Shechal Tisha B'Av Betocha, Liyot Betocha, Shabbat, c'est-à-dire la semaine s'appelle un Shabbat aussi, la semaine dont le Tisha B'Av va tomber dedans, eh bien, Assur Melesaper Melechabes. Durant cette semaine-là, on n'aura pas le droit de se couper les cheveux, ni de laver le linge. Il faut savoir, d'abord, dans les Chot Tisha B'Av, entre ce qui est imposé par la Gemara et la Mishnah, et les Minagim, et les Minagim pour les Sfaradim, et encore plus les Minagim pour les Ashkenaz, il faut bien différencier selon qu'est-ce qui est imposé, Meikaradin, et qu'est-ce qui est à cause des usages. D'accord? La Mishnah, on s'intéresse à la Takana initiale. Celui qui fait moins que ça, celui qui transgresse franchement. À part ça, bien sûr que chacun a le devoir de garder aussi tous les minagim. En l'occurrence, d'abord, on va s'intéresser avec l'interdit de se couper les cheveux et de laver le linge, que les Ashkenaz ont le minag de le faire depuis le Tisha B'Av, depuis la Rosh Chodesh Av, les Sfaradim, non, les Sfaradim, on les a juste de le faire uniquement durant la semaine Shavua Shechalbo Tisha B'Av, durant la semaine de Tisha B'Av. Eh bien, la semaine uniquement, ça veut dire si Tisha B'Av, ça va tomber un mercredi, et bien, il y aura le Rishon, Shanish, Liji, et Révi, donc on n'aura pas le droit de se couper les cheveux, ni de laver le linge. Mais depuis la semaine d'avant Shabbat, on a le droit de le faire, selon la loi stricte. D'accord? Au Bachamishi, maintenant, la Mishnah m'a dit, on s'intéresse pour le moment à deux interdits, se couper les cheveux et laver le linge. Bichra, les Ashkenaz, sur ça, il y a aussi une différence. Les Ashkenaz, ils ont minag depuis pendant les 3 semaines, parce que les cheveux. Les Sfaradim, ils ont minag depuis Rosh Chodesh Av. Mais ça aussi, c'est un minag. C'est un minag, parce que sur le loi strict, c'est que la semaine durant Tisha B'Av. Ok? Uba Chamishi Mutarin, Yipne Kvod HaShabbat, et maintenant, si durant la semaine de Tisha B'Av, il va y avoir un jeudi, eh bien on a le droit de se couper les cheveux en l'honneur de Shabbat. Quelque chose de tout nouveau. D'abord, ça n'existe pas dans notre configuration. Initialement, la Mishnah nous dit, tu sais, si Tisha B'Av va tomber en fait un vendredi, c'est la seule option possible, ça va tomber un vendredi. Donc le jeudi, veille de Tisha B'Av, c'est vrai, il y a Tisha B'Av devant nous maintenant pour le vendredi. Mais il y a aussi Shabbat juste après. Et Shabbat, on ne va pas rentrer avec une tête de prisonnier ou je sais pas quoi, avec une barbe et enfin des cheveux. Il faut se préparer pour Shabbat aussi. Donc on a le droit de le jeudi uniquement durant, disons, pendant toute la semaine. La Rishon Sheni Shlishi Revi, il faudra s'abstenir de laver le linge et se couper les cheveux. Va arriver le jeudi, en l'honneur de Shabbat, on va se laver les vêtements de Shabbat. Et de se couper les cheveux aussi sera permis. D'accord? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Maintenant, dans notre configuration, ça n'existe pas. Parce que ça c'était qu'à l'époque où on fixait le Rosh Chodesh selon le témoignage des témoins qui avaient vu la nouvelle lune. Alors on pouvait se retrouver dans une situation. Mais à notre époque, le calendrier a été établi de manière à ce que notre Tisha B'Av ne tombe jamais un vendredi. D'accord? Donc, Bachamishi Motarin, les Motarin, Mipnei Kvod HaShabbat, le jeudi, on a le droit de se couper et de se laver les cheveux en l'honneur de Shabbat. Erev Tisha B'Av, lo yochal adam shnei tavshilin, lo yochal basar velo shtein. Là, on va parler de la Souda Mafseket. La veille de Tisha B'Av, durant l'après-midi, le dernier repas qui précède le jeûne, il y a une mitzvah de faire la Souda Mafseket, ce qu'on appelle, et eh bien, durant ce repas-là, on n'aura pas le droit de manger 2 tavshilin, 2 plats cuits. 2 plats crus, on a le droit d'en manger, si tu veux manger une pomme, une carotte, ce que tu veux, tu as le droit, c'est cru. Mais ce qui est cuit, tu dois diminuer, tu dois faire un repas pauvre, en qualité, quoi, sans beaucoup de choix et tout ça. Un seul plat, tu choisis ce que tu veux, tu fais un tafshil. Ok? Donc, un homme ne mangera pas 2 plats, mais un seul plat. Lo yochal basar, et durant ce plat-là, il n'aura pas le droit de manger de la viande. Mais l'oïchteïaïn, il ne boira pas de vin, c'est-à-dire tout le minag qu'on a ou de nous d'arrêter la viande depuis Rosh Chodesh Av, c'est qu'un minag. Et même pendant la semaine de Tisha B'Av, on a le droit, selon la loi stricte, on est imposé dessus nos minagim, mais selon les décrets initiaux,
eh bien, on avait le droit de manger même la viande et de boire du vin pendant la semaine de Tisha B'Av, à une seule exception, c'était pendant la Seouda Mafseket. Mais il ne boira pas de vin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, selon Rabban Shimon ben Gamliel, lui encore plus, mais qu'elle nous dit juste Yeshane. Non, tu l'as juste changé, c'est-à-dire, tu avais l'habitude de manger trois plats, tu manges que deux plats, tu manges un. Mais, d'accord? Mais par contre, aussi de la même chose aussi, même boire du vin, il n'a pas de problème parce que tu bois du vin. Tu avais l'habitude de boire deux verres de vin pendant le repas, tu devras diminuer, boire qu'un seul. Tu bois un seul, tu te supprimeras complètement. D'accord? Donc selon nous, on a même le droit de manger pendant la seconde psychiatre, il faut juste marquer que c'est une soudain un peu différente. Mais sans des lois trop strictes. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, la lacha n'est bien sûr pas établie comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on arrête de boire le vin et de manger la viande depuis Rosh Chodesh. Rabbi Yehuda mechayev bekfiat amita. Là, on a l'autre extrême. Rabbi Yehuda qui impose de faire kfiat amita. Kfiat amita, c'est quelque chose qui n'existe plus à notre époque. C'est pendant les lois de Avelout, lorsqu'on est endeuillé, Shelon, Daf et Shalom. Eh bien, il y a une mitzvah de. Il y avait un usage à l'époque de retourner les lits, qui s'annulait complètement à notre époque. Tout ça, je vous explique, à notre époque, on ne fait plus cette kfiat amita. C'est retourner les lits, les mettre par terre, c'est une manière de dire que nous aussi, on est tous. De là provient probablement le fait que l'endeuillé s'assoit par terre, justement, sans souvenir un petit peu à cette kfiat amita. Et donc, Rabbi Yehuda mechayev bekfiat amita, Rabbi Yehuda impose donc de kfiat amita, de retourner le lit, comme l'usage des endeuillés. Et sur ça, velo doulo chachamim, chachamim ne l'ont pas reconnu cette halakha-là. Ils discutent, ils pensent qu'on n'a pas d'obligation d'adopter ce minhag de deuil. D'accord? En l'occurrence, malgré tout, l'usage, il est, je pense que chez tout le monde, on mange la soudam afseket assis par terre comme des endeuillés. Apparemment, on a oui gardé quand même le minhag un petit peu de Rabbi Yehuda, au moins durant la soudam afseket. Et même si l'alakha n'est pas établie comme lui, ouais, d'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.